The 1972 UEFA European Football Championship final tournament was held in Belgium. Le stade d'Anvers, le Boswil Stadium, qui accueille la deuxième demi-finale de cet Euro 1972 qui a lieu donc en Belgique. Et le pays hôte, la Belgique, affronte aujourd'hui l'Allemagne de l'Ouest. D'un côté, Paul Van Imst, le capitaine des Diables Rouges, et de l'autre, Franz Beckenbauer, capitaine de la Nationalmannschaft. Les Allemands sont favoris, mais les Belges à domicile, entraînés par Raymond Goethals, espèrent bien se hisser jusqu'en finale de cet Euro. Les Belges, ce sont eux qui sont les premiers en action, avec Raoul Lambert, Van Imst sur le côté pour Odilon Poulois. Un débordement, un centre, et là, Raoul Lambert qui saute plus haut que tout le monde et qui d'entrée place une tête hors de portée de Sepp Maier. Et voilà la Belgique qui d'entrée assomme les Allemands. Quelle surprise, et là, le stade est aux anges. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les hommes de l'amour et la science. Le bon débordement de Polonis, le centre cordeau en première intention, et là, Lambert qui se jette et qui marque 1-0. Après 5 minutes de jeu, l'Allemagne réagit aussitôt aux Lyonnais. Gerd Müller dans le dos de la défense. Gerd Müller, il est rapide, il résiste à la charge des défenseurs et réussit à placer un tir du coup du pied. Et c'est l'égalisation. L'Allemagne n'a pas traîné, un partout. Début de match tonitruant des deux formations. Et premier but donc dans cet Euro du bombardier Gerd Müller. On connaît surtout pour ses buts de renard dans la surface. Et ben là, lancé par Olyonès, regardez, il fait une belle course, il montre qu'il a des jambes. Il résiste bien au retour des deux défenseurs et surtout, et là, il place une frappe coup du pied, un partout. L'Allemagne se remet dans le bon sens. Olyonès, petit crochet, il se présente tout seul. La frappe d'Olyonès, et là, heureusement, Christian Pio est à la parade. Les Allemands commencent à s'organiser. Günther Netzer, Gerd Müller, le tir de Gerd Müller, et là encore, Christian Pio, la main ferme, heureusement, car les Allemands on la main mise totalement sur le match maintenant. Kremers qui se présente tout seul. Il a Gerd Müller, il l'oublie quelque peu. Il tire et c'est à côté. Et il peut s'en vouloir car Gerd Müller était bien placé et a réclamé le ballon. En tout cas, troisième occasion très franche pour les Allemands. La Belgique qui est étouffée en cette première mi-temps. Breitner pour Olyonès. On joue la 42e minute de jeu. Olyonès qui lève la tête. Le centre, et qui est là, Gerd Müller. Et oui, malgré sa petite taille, il arrive à se hisser à la hauteur de ce ballon. Une tête juste détournée, sans vraiment la frapper, mais juste ce qu'il faut pour la mettre hors de portée de Christian Pio. Et voilà les Allemands qui passent devant, 2-1. Logiquement d'ailleurs, parce que les Allemands ont totalement dominé cette première mi-temps. Belle tête en tout cas, Gerd Müller, 2 buts déjà dans cet Euro. Réaction juste avant la mi-temps des Belges, petite tête devant Nims, c'est à côté. On en reste là à la pause, 2-1, les Allemands ont un pied en finale. Metzer, Onnes, et c'est dedans, et voilà le troisième but dès la seconde mi-temps par le numéro 10, Olyonès. Une tête décroisée sur ce corner de Günther Netzer, et l'Allemagne qui se met à l'abri sans problème. 3-1. On voit ce corner de Netzer. Olyonès est plus haut. Plus de mental, plus de volonté. Olyonès pour retrouver ici un débordement. Le centre tendu. Et Gerd Müller. Gerd Müller pas loin d'inscrire un nouveau but là. Évidemment toujours. Il ne laisse aucun répit à cette équipe belge. Olyonès, la frappe de Olyonès. Terrible frappe de Olyonès. Heureusement pour Christian Pau, elle passe juste à côté. Et ça pourrait faire 4, 5, 6-1, tant les Allemands maîtrisent ce match. Dernière offensive peut-être pour les Belges avec Sommelin, non, c'est repoussé. Kremers et c'est sifflé, 3-1, l'Allemagne sans trembler accède donc à la finale.